Bon matin tout le monde! On est vendredi! Belle cocotte! Il fait quand même assez beau et chaud. Il y a des petits nuages, hein Julia? Puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je fais ma collaboration avec Rose Maternité. Donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Tu veux te regarder? T'es trop chou! Fait que j'ai mis Madame Belle au cas où elle voudrait prendre des photos avec maman. Ouais! Ouais! Fait que j'attends une de mes amies, Harry Larivière, sur Instagram. C'est une photographe. Puis, c'est ça. J'avais pensé prendre mes photos moi-même. Puis tout ça, c'est juste que sur mon nouvel appareil, j'ai comme pas trouvé le mode. Comment je peux dire ça? Le retardateur, dans le fond. Fait que j'ai offert de venir chez nous pour qu'on puisse faire ça. Ça pourrait faire de la belle pub en même temps. Puis elle a accepté, fait qu'elle s'en vient avec son petit garçon. Il a quoi, 14 mois, je pense. Fait que j'espère qu'ils vont bien s'entendre. Tu voulais voir le minou, toi? Tu voulais voir le minou? Ouais, elle essaie de marcher facile, puis ça va pas bien. ouais, c'est ça. Cet après-midi, ben comme en fin de semaine, c'est la fin de semaine du père de Léna. Je dois aller à Trois-Rivières l'apporter à son père, fait qu'on fait les mi-chemins. Je suis en train de vlogger. C'est vrai? Oui. C'est live. Allô! Donc, bon, là j'ai cette robe-ci, elle est différente que celle de tantôt, c'est de la nouvelle collection de Rose Maternité. J'ai pris le col en V puis la couleur grège, c'est dans mes palettes, vous savez. Fait qu'on vient de finir le shooting, j'avais pas amené mon appareil parce qu'il ventait tellement là dehors, c'était vraiment l'enfer. Fait que j'ai hâte de voir les résultats finaux. Vous allez le voir d'ici lundi. À moins que vous voyez ce vlog-là, ben, je sais pas trop quand vous allez le voir. Peut-être lundi aussi. Donc, ça devrait être en ligne. Donc, c'est ça. On a pris tellement de photos en dedans, dehors, puis un peu partout. Là, fait que ça va être de choisir qui va être le pire, puis de pas être tannante à poster toutes les mêmes photos, hein, du même shooting. C'est sûr, c'est poche, mais moi, je trouve ça correct. Fait que là, Julien avait pas fait de sieste encore, il est midi 44, donc je dois vraiment préparer les choses pour les bagages à Léna. Donc on va aller préparer ça. Fait que là, je suis revenue. Puis, en revenant, je me suis rendu compte que mes portes sont tellement dégueulasses. Tu sais, les portes noires, là, c'est sûr, c'est moins salissant que les blanches. Tu sais, y a pas de... Mais c'est les taches qu'il y a dessus que j'aime pas nécessairement. Fait que je vais laver les portes aujourd'hui. Puis, je vais aller laver les fenêtres aussi. Là, je vais aller me sortir une échelle. Puis, je voulais faire ça avant que la journée se termine. Là, parce que, je sais pas, ça m'a vraiment sauté à l'œil. Puis en même temps, je vais pas les scraper. Fait que je pense que je vais mettre du savon à vaisselle avec de l'eau chaude puis une éponge. Puis je vais tout faire ça. Comme ça, ça va être fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vais recoller mon chiffre aussi qui manque là, parce que ça fait pitié. Puis bientôt, on va s'occuper de tout ça. Là. Fait que mec, que ce soit tout beau, j'aimerais ça que ce soit propre. Bon, fait que on va mettre ça. Je pense que je vais en mettre quand même assez. Même... Okay.
Pour faire les puffs, j'ai acheté des genres d'éponges de même. Scotch Bright. C'est anti-égratignure. D'habitude, c'est pour faire les poils hommes, là, mais nettoyage pour les travaux quotidiens. Douche, baignoire, comptoir, batterie de cuisine. Fait que j'imagine que pour les portes, ça va être bien correct. Puis là, je me suis rechangée de robe là, parce que j'ai comme tout taché l'autre. Fait que j'ai mis la intrigue colle normale en rond là. J'ai fait ma petite boucle. Je vais vous montrer sur Instagram comment la faire. Je vais faire une petite bulle highlight, je pense. Je vais être toute drôle. Regardez-moi ça, les belles vitres. Là, j'ai lavé aussi mon béton. Sauf la maudite tache-là, je l'ai lavé à pression, là. Mais ça marche pas pantoute. Fait que, hey, toute qu'une belle job, ça, l'Amélie. Hein? Je suis vraiment contente d'avoir fait ça, là. Ça fait vraiment du bien. Je peux enfin m'attaquer en dedans. Je vais faire ça vite, là, pour ce qui reste de la journée, là. Moi, je suis tout le temps productive en fin de journée. Je sais pas pourquoi. C'est là que ça se passe. Puis pour souper, je pense que je vais faire découvrir de quoi de nouveau à Alex. Il a jamais goûté à des sushis. Puis en presque 3 ans avec lui, je sais pas pourquoi il en a jamais goûté. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer sa réaction. En tout cas, on verra s'il aime ça. S'il aime pas ça, ben tant pis, ça en fera plus pour moi. Alex, il en a mangé quelques-uns. Puis qu'est-ce que t'as à dire? C'est dégueulasse. Hey! En plus, j'ai pris les meilleurs, là. Voyons. Au poulet, tartare. Oh, la mère de ça. Ah! Lonely. Mr. Lonely. I have nobody. Pour manger mes sushis. J'ai pris un Kim Crawford. D'habitude, je prends le Pinot Gris. Là, j'ai pris un Sauvignon Blanc parce que quand il fait chaud, je sais pas, je suis plus fruitée qu'amère. Ok, well deserved. Je me suis dit que j'allais me couler une petite coupe de vin pour vous jaser un petit peu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas même parlé. Je vous montre plus. Pas mal, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, tout ça, puis je sais pas, ça fait longtemps qu'on a pas parlé. Donc, je suis en train de faire du montage de ce vlog-ci. Comme je vous dis, là, j'essaie vraiment de le faire à mesure. Comme ça, ça paraît moins pire quand vient le temps de le publier. Sauf que je sais bien que toute la finale, je vais attendre dernière minute, comme d'hab. Puis c'est ça, on va avoir une nouvelle routine cette semaine, ben la semaine prochaine, celle qui s'en vient, là. Parce que Alex va travailler de nuit. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, je pense. C'est-tu aujourd'hui? Ouais, c'est aujourd'hui. Fait que, c'est ça. Je trouve ça le fun parce que le soir, ça me permet de faire vraiment mes affaires. Puis le jour, on peut se voir, puis tout ça. Je trouve vraiment que c'est mieux parce que d'habitude, mettons, il arrive ici, il est quand même tard. Ben, tard. L'heure du souper, mettons, comme on soupe tard, là. Il arrive vers l'heure du souper, puis après ça, c'est pas mal la routine des filles. Puis quand ils vont se coucher, après ça, on est pas mal fatigués, nous autres, avec. Fait qu'on fait pas grand-chose. Puis comme ça, le jour, on va plus pouvoir être ensemble, puis faire des affaires. Puis il va voir un peu aussi qu'est-ce que je fais dans la maison, puis tout ça. Puis je pense que ça peut juste être bénéfique qu'un homme voie qu'est-ce qu'une femme fait dans une maison, tu sais. Fait que c'est ça, je suis bien contente. Puis je sais pas, j'ai comme mon temps à moi le soir. Je trouve que ça fait du bien de sortir un peu de la routine habituelle puis des horaires habituels. Je peux
peux en profiter pour faire mon montage, découper des séries, faire du ménage, faire tout ce que je veux. Je dis pas que je peux pas quand il est là. C'est juste qu'on dirait que quand il est là, j'ai envie de juste, mettons, rester avec, écouter de quoi avec ou des trucs de même. Puis là, ben, je peux juste plus faire mes me-time sans me sentir mal de le laisser tout seul pendant que je le vois pas de la semaine ou pas de la journée, tu sais. Donc, ça va être une nouvelle routine à adapter, là. On va l'adapter à notre routine. En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est sûr que, tu sais, les matins, je vais les faire tout seul. Le soir aussi, les routines des filles, je parle. Mais je veux dire, je trouve que c'est vraiment... Comment je pourrais dire ça? J'ai été monoparentale, fait que je sais un peu... Tu sais, je sais ce que les monoparentales vivent. Puis, sans bâcher mon chum, je suis pas en train de dire qu'il fait rien, puis tout ça, là. C'est juste qu'on s'entend qu'en tant que femme, ben oui, il y a des couples, qu'il y a des hommes qui en font plus que certains, que d'autres hommes, mettons. Puis ben moi... T'sais, moi, c'est pas son trip de t'sais, donner le bain, changer les couches, t'sais, faire les besoins, mettons. Lui, il est plus là pour les amuser, puis des trucs comme ça. Puis il y a beaucoup de gars qui sont comme ça aussi. Il y en a d'autres que c'est tout à fait l'inverse, puis qu'ils font vraiment 50-50, puis tout ça. Mais moi, Alex, il est pas vraiment comme ça, puis moi, ça me dérange pas. Sauf qu'on s'entend que quand je suis seule le soir pour faire la routine des filles, je me sens plus zen. J'ai pas de souper à préparer. Oui, je vais faire souper les filles, mais j'ai moins de pression de si c'est pas bon ou tu sais. Le pire, c'est que nous les femmes, on se met cette pression-là nous-mêmes, là, puis je le sais que c'est moi qui m'amène, là. Je le sais qu'Alex, il s'en fout de ce que je fais ou peu importe. Mais on dirait qu'on veut tout le temps performer, puis tout ça. Puis là, le soir, je me sens tellement plus zen, puis faire tranquillement mes choses, puis en tout cas, j'aime. Je pense que je. À date, j'aime vraiment ça, là, comment que la journée s'est déroulée, puis ce soir, à date, là, comme là, il est presque rendu 9h, il fait encore vraiment clair. Il est 8h30, en fait, là, précisément. Puis, c'est ça, je trouve que c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis, t'as pas à te fier sur quelqu'un pour t'aider, tu sais. Quand t'es tout seul, tu sais que t'as juste sur toi sur qui compter, fait on dirait que, je sais pas, ça met moins de pression, puis c'est plus calme. Fait que j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, j'espère que je vais continuer d'aimer ça. Parce que la semaine qui s'en vient, ça va être une semaine totalement... Il va travailler de nuit toute la semaine. Puis moi, je suis genre la petite mauviette que quand je vais me coucher, là, j'arme toute ma maison complète, ok? Je l'arme jusqu'aux dents. Même le détecteur de mouvement, ok? Juste vous dire. Fait que venez pas chez nous la nuit, là. En même temps, là, je checkais ça, là. J'ai reçu aujourd'hui ma robe de chez Billabong, puis je l'aime tellement. Il faut vraiment que je vous la montre, là. C'est à coûte cher, là. C'est un gros achat. Mais vaut tellement le prix, là. Le tissu, je sais pas c'est quoi, là. Je sais pas si vous êtes capable de voir, là. Je l'ai mis dans mes stories Instagram. C'est sûr que vous l'avez vu sur moi, parce que quand je l'ai reçu, il fallait vraiment, vraiment que je vous la montre, là. Et comme ça. Dans le fond, le dos, il est comme ça. Puis le devant aussi, là. Mais il y a comme une petite attache ici, là. Pour pas qu'on voit les seins. Puis il y a une petite boucle comme ça qui est attachée derrière. Puis il est comme de même. Petit froufrou en bas, juste en bas. Je trouve tellement que ça fait délicat. Ça fait vraiment beau. Ça donne vraiment le style que je veux que ça donne. Puis c'est ça. Je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu. Pour vrai, si vous voulez une commande au Billabong, prenez-vous d'avance, là. Parce que... Pour vrai, vous l'aurez pas fin juillet si vous commandez maintenant. Fait qu'achetez pas trop d'affaires d'été. À moins que ce soit un problème qu'il y a eu avec ma commande, là. Mais moi, ça a vraiment été long, Sephora aussi. Puis toutes mes commandes, elles ont été vraiment longues. Sauf le Jack and Jones pour le cadeau à mon chum. Que je vous montrerai cette semaine, probablement. Fait que c'est ça. Je voulais vous la montrer parce que j'étais vraiment contente. Fait que je vais finir ma petite coupe de vin, je vais me trouver une série à écouter, je vais écouter ça. Puis je sais pas trop à quelle heure je vais me coucher, là, mais quand je suis toute seule, j'ai vraiment de la misère à dormir. À m'endormir, surtout. Quand Alex est pas là, quand t'es habituée de dormir avec quelqu'un, on dirait que c'est pas habituel, mettons. Fait que on va voir comment la soirée se déroule, mais ma connaissance, ça va se terminer après cette coupe de vin-là. Parce que si vous me connaissez pas assez... Je vais vous dire que je suis pas le genre de fille qui tripe vraiment sur l'alcool. Oui, j'aime le vin, j'aime l'alcool, le goût, mettons, des petites affaires. Mais moi, après un verre, je suis entièrement satisfaite. J'en veux pas d'autres parce que ça finit par me tomber sur le cœur. Fait que voir Millie saoule, c'est presque impossible.
Fait que je vous disais juste ça en parenthèse. Bon, donc là, il est presque minuit. On sort 53, puis j'arrive pas à dormir. J'avais pas fermé le vlog, fait que ça tombe bien. Je me suis dit qu'en même temps, je pourrais... Ben là, j'étais en train de faire mon montage de vlog, puis je me suis rendu compte, puis je voulais vous dire. Quand j'ai lavé mes... mes vitres, là, c'est tellement bruit, je le sais. Donc, je voulais vous le dire. Puis, je pourrais vous donner un petit aperçu du shooting, parce que, mais en fait, vu que c'était aujourd'hui... je vais un peu vous montrer qu'est-ce qu'on avait fait comme travail. Vous avez sûrement vu quelques photos déjà que j'ai sûrement publiées aujourd'hui sûrement. Donc je suis vraiment contente du résultat. Voyons. On en a tellement pris là. I'm just sitting here. Et elles sont peut-être modifiées encore, là, fait que... Il y a qui ici? Tana, mon amour? Il y a tellement de photos, c'est comme incroyable. Beaucoup de retouches à faire, là, mais sinon, habituellement, c'est la photographe qui le fait. Là, c'est juste que moi, vous me connaissez. Là. Je dois dire que je suis pas full à l'aise habituellement devant la caméra. Là. Ben, en tout cas, pour vlogger, oui, là, mais pas pour les photos. Que j'arrête pas de trouver des défauts dans ma face, puis ça me gosse. Mais je suis quand même contente du résultat. On a tellement de photos, c'est fou. Fait que, en tout cas, ça ressemble à ça. On a fini, on recommence. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, je pense que je vais m'écouter une petite série là, jusqu'à temps que je m'endorme, puis plier du linge, puis faire un peu de tri là, parce que j'ai tellement de linge à plier que c'est incroyable. Puis je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Bye bye!